Hello guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne Entrepreneur Web 3.0. Je vais partager tout de suite un projet avec vous. Il s'agit d'un airdrop USD Torrent. Nous allons coller directement l'adresse sur la barre de recherche. Nous allons valider. Donc c'est USD Torrent. Donc je vais changer directement. Je vais changer directement le réseau en Binance Chain, parce que c'est adossé à la Binance Chain une fois c'est fait. Maintenant, je vais chercher la partie airdrop. Je vais chercher la partie airdrop. Je viens là. Je vais cliquer juste là, ici. Je vais juste cliquer là. Voilà. Claim airdrop, c'est fait. Voilà. Maintenant, je vais passer au paiement. Oui. Une fois là, oh, les frais sont vraiment minimes. On n'a pas de frais au niveau de l'airdrop. Ici on a l'actif, le réseau. Ici on a le portefeuille, on a le DApps et nous avons le frais de réseau qu'on appelle encore le frais de gaz et la totalité. Une fois, il faut venir cliquer juste sur approuver et c'est fait. Ça va. Et là je vais signer parce que j'ai mis un système de sécurité. Voilà, c'est fait. Maintenant je vais cliquez maintenant sur le smart contract pour aller récupérer l'adresse et retrouver le token dans Trust Wallet. Voilà, c'est fait. Je suis déjà dans le Basecamp. Je vais copier le smart contract tout de suite. Je vais copier le smart contract. Voilà, j'ai l'adresse. On va dire le nombre de holders. Il y a 512 holders déjà. Dans la décimale ici, c'est 18. Je copie, c'est fait. Une fois que cela est copié, je reviens ici. Je reviens là sur portefeuille. Voilà, c'est fait. Je viens sur portefeuille. Je sors là. Je colle directement l'adresse ici. Si ça n'apparaît pas, j'ajoute directement. Je viens là. Une fois ici, je vais changer le réseau. Je vais coller automatiquement là. Et quand je vais coller, je vais avoir le nom, le symbole et décimal. Ok, c'est fait. On passe à l'option smart contract, coller. Voilà, vous voyez, j'ai cela automatiquement. Parce que si vous venez juste coller dans la case, vous êtes obligé de réécrire encore tout ça. Ça perd du temps. Et pour conclure, il faut cliquer sur terminer. Comme ça, c'est fait. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Voilà. Donc, voici alors mes 18 700. Et donc, c'est un BP20, il sera bientôt listé sur PancakeSwap et l'airdrop va encore durer plusieurs jours. Donc, je vais cliquer sur recevoir pour générer mon lien d'affiliation. Copier, je rentre là sur DApps. Je vais retrouver, voilà, c'est fait. J'ai retrouvé le truc. Je vais maintenant coller cela ici à ce niveau. Je vais coller, voilà, et je vais cliquer sur Get. Referral link, voilà, mon lien a été généré. Je copie maintenant mon lien, je copie maintenant mon lien, je copie, je clique dessus et je copie. Voilà. Maintenant, je vais rentrer sur, je vais rentrer, voilà, sur portefeuille. Je vais cliquer là, je vais faire une capture d'écran pour aller partager cela à l'ensemble des followers, des internautes ou des et à l'ensemble des personnes intelligentes qui veulent bien saisir cette opportunité. C'est fait. Je clique là et c'est bon, ça va. Donc voici comment réclamer vos 18 765 UTT. Donc c'est pas du tout compliqué, il y a juste des frais de gaz à payer. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, partager là, et pour permettre aux personnes intelligente, intéressée ou passionnée de la crypto-monnaie de pouvoir saisir cette opportunité. Lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté parce que j'ai encore environ 5 airdrops à partager tout de suite avec vous. Bon, c'est pour ça que j'ai toujours dit, pour nous comprendre, il faut nous suivre. Voilà, pour ne pas manquer tous ces différents projets-là. Donc les gars, cette chaîne est là pour vous éduquer, pour vous former. Donc profitez au maximum. Voilà. Nous ne sommes pas des conseillers financiers, nous sommes juste des investisseurs, nous sommes juste des passionnés. Donc nous proposons, libre à tout un chacun de choisir ce qu'il veut. Parce que chaque personne est responsable de son acte. Donc, les gars, bye bye.